Yeah, plume d'or. On the flow. Tang c'est. Il a gâté, non, tu peux gâter la poule. Elle arrive avec son poulet et tout. On commence par la plus difficile. Ah ouais. Là, ça va donner. Ok. Là, on va être sur Laisse-moi TV. Le son, il est lourd. Franchement, il est pas mal. Et j'espère que bah, ça va plaire. Hein. Comme d'habitude. Bah, les chauds. Parce que moi, la souplesse, tu connais. Là, la position que t'as là, c'est une journée. Ok, let's go. Vas-y, démarre, au lieu de rigoler. C'est bon. Il souffle de. Ah, mais putain, faut aller l'ouvrir. Hein? Faut aller l'ouvrir. Combien de tests? Vas-y, let's go. Vas-y. On y va? Vas-y, let's go, Alain. Attends, pour l'instant, je tente pas les mots. Bah là en ce moment on est en train de tourner la scène où on est sur la route, donc avant que je m'endorme, quand je dors. Donc là ça bombarde de fou, ça envoie du lourd. Vous allez voir les scènes, tuerie. Allez on accélère, go. C'est vrai, je t'aime, ne doute plus de mon amour. Et s'il le faut, je te le dirai tous les jours. Hello, la team Pal Show. Bah là, on est dans un entrepôt abandonné. Donc, du coup, tournage de clip Laisse-moi t'aimer. Ce qui va se passer, c'est que voilà, moi, je vais arriver dans l'entrepôt. Et ensuite, faire découvrir, en gros, le clip à tout le monde. Quoi. Le but de la Ken, c'est d'entendre regarder un peu les plans de tournage où on pourrait se mettre bien. Et les idées globales vont commencer à. Comme des petits pop-corn quoi. Voilà. Et donc voilà. Sinon, bel endroit, franchement, beaucoup de potentiel. Et je pense que le clip, ça va donner. Désolé, là on me filme, je peux pas. Donc là on est avec Kilt, la manager de Plume d'Or. On est sur le tournage du clip. On est dans une usine, il fait un peu froid, ça fait un peu peur, mais ça va bien se passer. J'ai un parapluie, pourquoi? Une surprise gros. Dans le clip, on va insérer en fait des scènes où moi je suis en parapluie, elle aussi elle a un parapluie. Vu que je suis en rouge, elle est en bleu, assortie bleu. Donc là on va faire une bête de scène. Let's go, right? Alors pour l'instant, je suis plutôt en train de me faire découvrir. Donc je fais découvrir un peu ma musique aux gens, ils puissent découvrir ce que je fais, ce que j'aime bien. Parce que là, si je lance un EP, j'ai pas encore assez une grosse communauté, tu vois, pour pouvoir lancer le produit comme ça. Donc non, pour l'instant, on attend, on lance un clip, histoire de faire un truc propre. Et puis dès que ça va être carré, bah, on va lancer le EP ou l'album. Oui, c'est prévu d'ici là.
Mais je vous en dis pas plus, c'est une petite surprise. On va changer un peu de registre. Je sais que j'aime bien le côté love pour ces dames. Sinon, ouais, ça va arriver. On va changer, on va essayer de faire des sons un peu différents. Parce que j'ai envie de toucher différents publics. Il y a du drill qui arrive là très très bientôt. Là. Je vais faire un son drill. Je t'ai fait écouter. Là. Ouais, ouais, tu m'as fait kiffer ou pas? Ah ouais. Non, bah, voilà. Voilà, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà, c'est bien. Juste en moi, même si on faiblit, c'est pas grave. Laisse-moi t'aimer. Ah gros, c'est incroyable comme tout le temps, gros. Nouvelle expérience à chaque fois. Là en plus on est dans un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une usine abandonnée. On a déjà clippé dans une usine abandonnée, et ça c'est franchement... En vrai il y a une sacrée différence parce que les clips de rap, tu vois, c'est quelque chose d'assez dynamique, c'est quelque chose de plus brut. Donc on va prendre des plans des personnes qui quittent directement devant la caméra. Le travelling ne va pas être le même parce que on va chercher à avoir du monde autour de la personne. Alors que là, tu vois, par exemple, pour le clip de plume, vu que c'est quelque chose de beaucoup plus doux, et on va chercher à avoir des éléments seuls. Comme là, la fille, là, on la pose seule, on va faire un travelling vers elle seule. C'est un truc qui, dans un clip de rap, n'est pas possible, tu vois, c'est beaucoup trop calme. D'accord, et je pense qu'en ce moment, tout le monde se demande pourquoi t'as un parapluie là. Ça, c'est parce qu'il va bientôt pleuvoir, gros. Mais ça, vous le savez pas. C'est chaud, la vie est faite de beau, mais beaucoup plus de bas. La vie a de ses bons, c'est bon, c'est chaud. Laisse-moi t'aimer, baby girl, laisse-moi t'aimer. Oh, laisse-moi t'aimer, baby girl, laisse-moi t'aimer. Mais celle-là, elle est stylée des mains. Wouh! Stylée! C'est une fin de tournage!